Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog, ouverture de vlog à la lumière, pas naturelle, voilà. Il n'est pas hyper tard, hein, mais ouais, il est presque 5h30 et du coup, bah, il fait nuit, voilà. On est vendredi, j'ai pas vlogué jeudi et aujourd'hui, j'avais autre chose à faire en fait, et puis j'avais pas de contenu à vous proposer, donc il y avait rien, j'allais pas prendre la caméra pour prendre la caméra, c'est ridicule, voilà. Donc on est, j'ai déjà dit, le contenu le plus extraordinaire de la Terre, je vous donne la date, voilà. Donc on est vendredi, fin de journée, j'ai terminé le troisième objet de la box d'automne, je vous montrerai tout ça demain. Et je vous expliquerai un petit peu aussi parce que faudra choisir entre trois trucs. Donc, enfin, il y a un produit, il y a une pochette à livres et il y a trois modèles de pochettes à livres parce que j'ai voulu proposer plus de box vu que vous étiez assez nombreux à me dire que vous étiez tentés en fait. Donc voilà. Sinon, aujourd'hui, j'ai reçu Princesse de Katie O'Neill, donc chez Bliss Edition, ils me l'ont gentiment fait parvenir. Je suis très contente, vraiment. Ça va se lire vraiment très vite, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bubules. Mais j'aime beaucoup, je vous ai dit, je crois, sur Instagram, j'ai participé à la campagne Ulule pour le nouveau titre. Donc, c'est la baie de l'Aquicorne. Là. Voilà, j'ai participé au projet Ulule pour celui-là. Et j'attends le tome 2. Voilà, il y a ça aussi, qui va sortir, on ne sait pas quand, qui s'appelle le Festival du Dragon Thé. Voilà, donc ma foi, je suis très contente, merci beaucoup à Bliss Édition. Donc hier il m'est arrivé une extraordinaire aventure. Non, en fait, on était à la maison, de toute façon on est confinés, donc on était à la maison, et il y a un livreur qui m'appelle en me disant « ouais, j'ai un colis et tout », je pensais que c'était les croquettes au début, que c'était les croquettes de mes chats, donc un sac de 12 kilos, donc j'ai dit à Chris « vas-y, va chercher le colis et tout, je pourrais pas le porter ». Il revient avec un énorme, mais vraiment... Là, vous voyez pas, voilà, mais un énorme carton Amazon. Et il me dit, c'était pas les croquettes. J'ai dit, bah non, je vois bien. Il me dit, en plus, c'est ultra léger. Mais le carton était vraiment très gros. Et je me dis, bon, ok, je le pose dans un coin parce qu'en fait, j'attendais une commande de rouleau de vinyle. Donc, le vinyle, c'est très léger. C'est un peu encombrant. Donc, moi, je pensais que c'était cette commande-là. Puisque bah, j'achète mon vinyle sur le Amazon, sur le grand méchant Amazon. Parce que. Il est moins cher que sur d'autres sites et c'est le même. Donc bon, voilà. Bref, peu importe. Donc je pensais que c'était mon vinyle. Donc moi j'ai posé le carton dans un coin et puis je suis partie faire autre chose. Et donc je fais ma petite life et tout. Ombrage est en train de pousser la table. Non mais la blague. Ma table est sur roulette, hein, je précise quand même. Et puis au bout d'un moment dans l'après-midi, je me dis bon, je vais quand même aller virer, aller mettre le carton au recyclage. Donc je vais l'ouvrir. Ombrage, t'as fini, oui? Elle s'appuie dessus et elle pousse comme ça. Et je vais lui lancer sa balle, ça va l'occuper. Et du coup, j'ouvre le carton et dedans, il n'y avait pas du tout mon vinyle. Hein. Alors attendez, je la recule du coup pour vous montrer. Dedans, il y avait ça. Voilà. C'est un calendrier de l'Avent Friends. Un calendrier de l'Avent Friends. C'est-à-dire que tu mets mes deux passions, les calendriers de l'Avent. J'adore les calendriers de l'Avent. Et Friends, il est trop beau. Genre, t'as même pas envie d'enlever des cases. Parce que moi, je veux cette affiche, en fait. C'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Alors, vous voyez un peu à l'envers, mais... Voilà. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. C'est très léger. Derrière, déjà, il y a un truc à découper, là. Vous savez qu'on peut mettre sur les portes, là, Do Not Disturb. Et voilà. Ils disent qu'il y a... qu'il y a 24 objets à l'effigie de Friends. C'est le principe d'un calendrier de l'Avent. Et c'est un cadeau de la part de Cyrielle, qui m'a aussi envoyé le tome 2 de Sherlock. Cyrielle est une zinzin, elle le sait, je lui ai envoyé un mail pour lui dire qu'elle était zinzin. Voilà. Donc c'était la big surprise hier, j'ai halluciné. Je trouve ça génial, un calendrier de l'Avent Friends. Bref, si vous voulez, je vous le mettrai, parce que bon, il vient d'Amazon, hein, du grand vilain Amazon. Donc si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos, s'il y en a qui ont envie de cracos aussi, hein, sur ça, voilà. Parce que moi, j'avais vu une pub, mais sur... J'avais eu une pub comme ça, mais sur Instagram, pour un autre site, je ne me souviens plus comment ça s'appelait. Et pareil, ils faisaient des calendriers dans ce genre-là, mais je n'avais pas poussé le truc, parce que les pubs sur Instagram, j'ai toujours l'impression que c'est des grosses arnaques, moi. Voilà. Donc, encore merci à toi, Cyrielle, mais bon, toi-même, tu sais que t'es complètement zinzin.
Voilà, donc ça c'était le calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui j'ai reçu ma commande. Je vous ai partagé sur Instagram que ma copine Angélique, qui a la boutique Créa Fimo Gourmandise, donc elle fait pas mal de choses en pâte Fimo, en pâte polymère, elle est très très douée. Je lui achète quasiment toutes les cuillères Harry Potter. Je crois que j'ai pas pris, je crois qu'il m'en manque une d'ailleurs. Enfin bref. Elle a sorti sa collection de Noël le 1er novembre et j'ai sauté dessus. Hein, voilà, donc si vous, je vous mettrai le lien de sa boutique en barre d'infos si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. Et du coup j'ai reçu ma commande aujourd'hui et je suis extrêmement contente. Donc je lui ai pris une suspension de sapin, donc c'est un petit rondin de bois auquel elle met une petite perle, et vous voyez, bon c'est à l'envers, elle fait, alors par contre l'ours là, l'ours blanc, c'est elle qui le fait en pâte Fimo. Tu peux faire inscrire ce que tu veux, donc moi j'ai mis Joyeux Noël parce que j'ai pas d'enfant et j'avais pas envie d'avoir une suspension de sapin où il y a mon prénom en fait, tout simplement. Et puis bah, elle met des petits points de neige, voilà. Donc tu peux faire écrire ce que tu veux, donc tu le fais personnaliser, je trouve ça vachement cool. Parce que bah, je sais pas si t'as des gamins par exemple, et bien tu peux en faire un pour chacun de tes enfants. Enfin moi je trouve ça génial, c'est vraiment un truc qui reste en plus après. Donc voilà, j'avais pris ma petite suspension. Et forcément j'ai craqué sur la cuillère Père Noël. Non parce que bon, soyons clairs. Dans le mug, ça le fait, hein, voilà. Donc c'est une cuillère toute simple et elle fait donc tout le bonhomme, c'est elle qui le fait en pâte de polymère, voilà. C'est super joli, ta collection est très très belle, Angélique, et le Père Noël est à tomber par terre, voilà. Donc c'était les deux petits trucs que j'avais commandés chez elle que je voulais vous montrer, qui sont arrivés du coup aujourd'hui. Donc voilà, les arrivées depuis hier, c'était un peu dans la folie. Et sinon j'ai commencé une saga de manga. Je vais pas vous en parler là parce que en fait je lis le tome 1, c'est ma copine Émilie qui m'en a parlé et qui m'a dit ouais tu devrais essayer et tout, et du coup j'avais acheté les premiers tomes et je m'étais pas encore lancée, j'ai acheté les premiers tomes il y a plus d'un mois et je les avais achetés chez Cultura, et je lis le tome 1, je trouve ça rigolo, je lis le tome 2, alors il y a des trucs au niveau de la femme qui étaient un peu limite, mais bon ça me faisait rire donc je continue, j'attaque le tome 3 et en lisant le tome 3 je me dis c'est bizarre, je comprends rien. Et en fait, il s'avère que mon tome 3 commence à la page 50. Il y a eu un problème à l'impression et il me manque la moitié. Enfin, il me manque 50 pages, en fait, tout simplement. Donc, j'ai mis en pause. Parce que, comme c'est une saga en 7 tomes, je voulais tous les lire et puis, du coup, vous en parler. Bincher les trucs et vous en parler. J'ai très envie de shoujo en ce moment, mais de shoujo méga cucu, hein, tu vois. Et du coup, j'ai contacté la maison d'édition parce que bah, je peux pas contacter Cultura. Déjà, j'ai plus mon ticket de caisse. Et puis, en plus. Bah, c'est fermé les magasins, voilà. Donc normalement, Kazé me renvoie le tome 3. J'attends de le recevoir pour pouvoir continuer cette saga et du coup vous en parler. Mais ils ont été très réactifs, je trouve ça vraiment chouette. Alors après, voilà, est-ce que c'est parce que j'ai une chaîne BookTube Peut-être, parce que j'avoue que j'ai même pas contacté le service client, j'ai contacté la personne que j'ai dans mes contacts en fait. Mais ouais, je sais pas trop comment ça se passe. En général, tu peux peut-être faire ça à ta boutique. Mais le problème, c'est que tu vois, si t'es comme moi et que tu lis pas forcément le truc tout de suite, eh ben tu te fais un peu avoir en fait. Voilà. Donc bon, excusez-moi, je joue avec Bibouille en même temps, toujours avec ces espèces de balles en caoutchouc là. Et voilà, donc du coup, je vous parlerai pas de ce manga. Je vous en parlerai dans le prochain vlog. Crossfinger très fort, ça voudra dire que j'ai des reçus parce que des fois cette maison d'édition elle m'oublie. Voilà, donc on verra, je vous en reparlerai la prochaine fois. Par contre, j'ai terminé un roman, oui, donc j'ai terminé celui-ci, donc c'est All This Time de Mickey Doctry et de Raquel Lippincott. Voilà, alors gros big up à la couve. Déjà la couve de Five Feet Apart était trop belle, celle-là elle est sublime, donc c'est un sablier, hein. Voilà, pour le temps qui s'écoule. On a bien compris. Merci Stéphanie. Alors, derrière, on te dit rien. Voilà, on te dit juste, peut-on trouver l'amour quand on a tout perdu? Si t'es en bad mood, c'est peut-être pas le moment de lire ce livre, parce que, alors, dans Five Feet Apart, on suit des jeunes gens qui sont hospitalisés parce qu'ils ont la mucoviscidose, et du coup, ils n'ont pas le droit de se fréquenter, hein, parce qu'ils ont chacun des germes, et s'ils se refilent les germes, ils peuvent mourir, en fait. Et deux d'entre eux vont tomber amoureux et on va suivre leur histoire d'amour. Le film qui est sur Netflix est ultra mignon. J'ai pas trouvé ça tire-larme ni rien, j'ai juste trouvé ça mignon, c'était très agréable et tout. Du coup, je me suis dit, allez, tu lis All This Time, ça va être trop bien, mais j'avais trop, comme l'âne, envie de le lire. Et alors, je ressors de ce livre en mode,
Mouais. Alors, est-ce que c'est moi qui deviens... qui devient quoi? J'allais dire qui devient trop... ça? Ça veut rien dire. Qui devient... je sais pas, qui suis pas assez fleur bleue, je ne sais pas. Mais je... C'est gentillet, quoi. J'ai trouvé ça gentillet, voilà. Peut-être que certains vont adorer, c'est possible même, mais alors moi j'ai trouvé ça très gentillet. Alors en fait, on suit principalement, je viens de le finir et j'ai déjà oublié, en Kyle, il s'appelle Kyle. Donc on suit à la base un trio, en fait, Kyle, Sam et Kimberley. Donc ils sont tous les trois inséparables. Kyle et Kimberley sortent ensemble depuis très longtemps. Là, c'est leur dernière année de lycée, donc ils doivent intégrer l'université. Ils vont à une soirée et en fait, ça va pas très bien se passer pendant la soirée. Kyle et Kim vont s'engueuler. Ils vont partir en voiture et ils vont s'embrouiller. Et là, paf, accident de bagnole. Oui, alors c'est pas écrit dans le résumé, mais désolé, hein, je peux pas faire autrement que vous dire ça. Et à partir de là, je vous laisse. Je peux même pas en fait, alors ça traite de certains sujets dont je vais pas forcément vous parler, mais c'est, j'ai trouvé toute la première partie, alors on va dire qu'il est en trois parties, voilà, tu coupes un peu en trois parties. La première partie, je l'ai trouvé je sais pas, on est dans une reconstruction, on est voilà, on est dans une reconstruction, soit. Mais faut aimer le personnage. Moi, le personnage dont ça traite m'agaçait profondément. Mais vraiment, hein, je l'aimais pas. Il m'énerve, en fait. Tout le long, il m'a agacée. Et je sais pas pourquoi, en fait. Hein, je peux pas l'expliquer, mais j'ai eu du mal avec lui. T'as la deuxième partie où t'es en mode... Bon, c'est un peu facile, quand même. Et puis la troisième partie, à la fin de la deuxième partie, t'as une révélation, et là, j'ai fait « Waouh ! » Alors là, par contre, vous m'avez vraiment eu, c'est-à-dire que vraiment, il y a une révélation, et moi, je suis tombée sur le cul, parce qu'en fait, je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est cet élément-là, cette surprise-là, ce revirement, qui fait que j'ai continué, bon, j'étais déjà aux deux tiers, hein, cela dit, mais qui fait que j'ai continué, et que je vais dire que c'est sympathique. Voilà, le roman va être sympathique, parce que j'ai bien aimé ce revirement, en fait, ce truc-là qui te... dans la tête, mais sinon tout le reste est... En fait, j'ai l'impression d'avoir déjà lu ce livre, c'est ça qui me dérange, c'est que j'ai l'impression d'avoir déjà lu cette histoire, mais de l'avoir déjà lu des dizaines de fois en fait. Il y a juste ce truc là, il y a un élément qui switch, et encore ça je l'ai déjà vu dans un autre livre d'un auteur très très connu, d'un auteur français très très connu. Mais du coup, en fait, je m'attendais pas à trouver cet élément-là dans le livre, donc oui, ça m'a surprise. Et c'est le seul moment où finalement, mon cœur et mon cerveau ont fait « Ah !» Tu vois ? Tout le reste du roman, bah, j'ai trouvé ça ultra plat, j'ai trouvé ça... j'ai trouvé ça... ouais, on l'a déjà lu, on l'a déjà vu en film, on l'a déjà lu... Voilà, et peut-être que si je m'étais attachée au personnage, ça m'aurait pas dérangé. Par contre, la maman, je l'aime beaucoup. La maman de Kyle, on la voit plus ou moins, mais elle a l'air, j'aurais aimé que le personnage soit un peu plus développé parce qu'elle avait l'air assez forte, elle avait l'air, voilà, c'est un personnage que je trouvais très intéressant. Mais pour le reste, en plus, on est très centré sur un personnage, et je vous dis, moi, je l'ai pas détesté, ce personnage, mais j'avais aucune empathie pour le personnage. Je me fichais un petit peu, en fait, de ce qui pouvait arriver au personnage, et du coup, bah, voilà, il y a juste, voilà, un retournement où je me suis dit, ah, je l'avais pas vu venir, ok, ça, c'est pas mal. Et en fait, après, j'ai réfléchi, j'ai dit, ah oui, mais c'est pas mal, mais c'est déjà vu. Alors après, c'est déjà vu dans un livre français qui a été adapté au cinéma, donc si, les Américaines l'ont déjà vu, ça aussi, en fait, il n'y a pas d'excuse. Donc voilà, c'était gentillet, voilà, c'est... Le livre est beau, hein, mais c'était gentillet, et voilà. Et j'avoue que je sature un peu, parce que, vous avez pu le remarquer, tous les livres dont je vous ai parlé, là, les quatre derniers, à chaque fois, j'ai le même truc, je suis en mode, ouais, c'était sympa, quoi. Tu vois, il n'y en a pas un qui m'emballe. Dans la dernière vidéo aussi, Résistance, j'avais bien aimé le thème principal, mais le livre en lui-même...
pareil, il y avait trop de facilité, c'était convenu, c'était tout arrive facilement. Enfin voilà, là c'est un peu pareil en fait. On était dans une situation ultra compliquée, mais finalement tout s'arrange en un claquement de doigts. Et je sais pas. Voilà. Donc là, je suis face à un gros dilemme. Que lire maintenant qui ne soit pas, qui ne me mette pas encore dans cette ambiance de c'est facile quoi. Je sais pas. Voilà, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ce week-end, je dois lire Les Étoiles de Nos Ed, le tome 1, donc qui est une relecture pour moi, mais on le fait en lecture commune. Il y a deux groupes, j'ai deux groupes sur Insta où on discute de ça, enfin où vous discutez surtout, parce que j'ai pas eu beaucoup le temps, mais je vais peut-être venir bavarder un peu plus ce week-end, puisque je vais lire le tome 1, enfin relire le tome 1, mais bon, ça va me faire une après-midi, quoi, donc voilà. Et puis c'est tout pour moi aujourd'hui, hein, j'ai déjà beaucoup parlé. Je vous reprendrai demain pour vous donner la suite des aventures, vous parler de la lecture, ça rime. Voilà, c'est tout, peut-être que je serai moins excitée aussi, parce que là je suis complètement... Je ne sais pas pourquoi. C'est tout. Du coup, j'arrête de jouer avec mon collier aussi. Donc, je vous dis à demain pour de nouvelles lectures et de nouvelles aventures. Coucou, on se retrouve du coup samedi dans l'après-midi. Voilà, c'est tout en fait. Je viens de faire un petit live là sur Insta pour vous présenter tout plein de mangas là, que j'ai sous la main et que j'ai très envie de lire. Je suis dans une folie manga, j'ai envie de lire des mangas, voilà, j'ai envie de lire plein de mangas. J'ai envie de lire plein de shoujo particulièrement, donc des trucs un peu doux et tout, enfin voilà. Donc je vous ai montré ça sur Insta, on a fait 45 minutes à peu près, c'était sympa. Et puis cet après-midi je vais lire, parce que j'ai très envie de lire. Enfin il est déjà 4h, mais je vais lire et monter la vidéo. Voilà. Et puis bah, rien de spécial, j'ai bossé sur la box d'automne qui est quasiment terminée. Voilà, c'est tout en fait, il n'y a rien de fifou. Du coup, je vais vous montrer les lectures graphiques que j'ai faites hier soir, puisque je vous ai dit, hein, je suis partie dans une folie là, on va plus m'arrêter pendant quelques temps, je pense, mais je vais continuer à lire des romans parce que j'en ai quand même beaucoup à lire, donc il faut que je fasse les deux en parallèle. Mais voilà, donc je vous montre mes petites lectures graphiques d'hier soir. Du coup, je disais, on suit une jeune fille qui s'appelle Rin, qui est une adolescente qui va être amputée d'une jambe, qui va très très mal le vivre, forcément. Donc on a tout l'aspect acceptation, etc. Et puis, elle va découvrir le handisport, l'athlétisme plus particulièrement, et elle va découvrir qu'il existe des prothèses particulières qui peuvent l'aider, en fait, à courir. Elle va rencontrer justement quelqu'un qui crée ces fameuses prothèses, donc les lames. Et de là va commencer son histoire, elle va devenir complètement passionnée. Enfin voilà, ça va être une obsession pour elle et on suit son parcours puisqu'elle rêve d'aller aux Jeux Paralympiques et c'était super bien. On a plein de choses techniques sur justement les lames, on parle du handicap, de l'acceptation, mais il y a plein d'autres choses, plein de valeurs mises en avant. Le fait d'aller au bout de son rêve, le fait de tout donner pour réaliser un rêve. Enfin, il y a vraiment plein de choses très très chouettes et je vous le conseille vraiment. C'est vraiment très chouette, il n'y a que 3 tomes, ça se lit tout seul. Et c'est un vrai petit bonbon. Donc voilà, je suis très contente d'avoir terminé cette saga. Donc voilà, je suis très contente d'avoir terminé cette saga, vraiment. Et puis bah, je continuerai avec les mangas de chez Akata. Hein. Vous savez que c'est une de mes maisons manga préférées. Donc voilà. Et ensuite, je me suis fait le petit Sherlock, le tome 1. Donc qui est La disparition des souris. Donc de... c'est de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe. Donc Sébastien Pérez au texte et Benjamin Lacombe au dessin. Je vais vous montrer les images. C'est l'une d'entre vous qui me l'a offert
pour mon anniversaire, et j'avais très très envie de le lire. J'ai reçu le tome 2 aussi, donc je vais pouvoir le lire, peut-être, vous le verrez tout à l'heure, je ne sais pas. Donc dans cette histoire, on suit Sherlock, qui est un chat, donc qui vit chez Mademoiselle Marcel, qui a sa petite vie tranquille, et un jour, en fait, il va se faire une copine, qui est une petite souris, et c'est vraiment devenu sa grande copine, quoi. Donc voilà, ils passent leur temps ensemble et tout. Sauf qu'un jour, la souris va disparaître, donc Sherlock va vouloir mener l'enquête. Il va regrouper quelques animaux du quartier, qui ont tous des noms assez farfelus, et ils vont partir à la recherche de la petite souris. Voilà, c'était trop mignon, c'est adorable en fait, voilà, c'est juste adorable, c'est un petit bonbon, je le reconseille. Non. Je vous ai fait un mélange de recommandés et conseils, mais ouais, complètement, pour si vous avez des enfants, mais allez-y, enfin, c'est vraiment un petit bonbon, c'est très simple à lire, c'est agréable et tout, je pense que les gamins vont passer un superbe moment. Visuellement, les dessins sont sublimes, c'est Benjamin Lacombe. Moi, j'ai trouvé ça trop chou, et je l'ai refeuilleté, je l'ai lu et je l'ai refeuilleté juste pour le plaisir de pouvoir, encore une fois, admirer la beauté des dessins de Benjamin Lacombe, en fait, parce que c'est juste trop beau, quoi. Donc voilà, c'était vraiment une chouette petite lecture. Voilà, je vous l'ai dit déjà, ces petites souris me font totalement craquer. Et j'avoue que moi, j'aime beaucoup quand Benjamin Lacombe s'attarde sur tout ce qui est animaux, en fait, donc les chats et les chiens. Donc voilà, donc c'était trop cool. Voilà. Du coup, j'ai commencé un roman. J'ai commencé le nouveau Donato Carissi, La Maison des Voix. J'ai pas lu beaucoup. J'ai lu 80 pages. Il en fait tout juste 300, je crois. Même pas. 298. Je vais tâcher de le finir cet après-midi. En même temps, on est confiné, donc je devrais réussir à le finir. Comme ça, je reviendrai ce soir ou tout à l'heure vous en parler. Il faut aussi que je monte cette vidéo. Et de toute façon, il faut que je vous reprenne tout à l'heure pour vous parler. Oula, j'ai failli me prendre un coup de renard, donc soit du Donato Carissi et aussi et surtout de la boxe d'automne. Donc ça, je vous en parlerai tout à l'heure. En ce qui concerne la Maison des Voix, pour l'instant, on suit un thérapeute en fait qui fait de l'hypnose, à qui on va envoyer une jeune femme qui en fait, alors elle vient d'Australie, en fait c'est une autre thérapeute, une consoeur qui l'appelle. D'Australie pour lui dire voilà, j'ai une patiente qui vient, est-ce que tu peux la prendre en charge? Le mec Gerbert, il est pas trop pour parce que lui, il est spécialisé dans les enfants en fait, hein, il est psychothérapeute pour enfants, donc il voilà, il est pas chaud. Finalement, il va accepter et il s'avère que cette femme, cette jeune femme, prétend en fait se souvenir d'un vieux souvenir qu'elle aurait oublié pendant des années. Et ce vieux souvenir concerne un enfant, en fait, qui s'appelle Ado, et qu'elle aurait tué. Voilà. Donc lui, il va commencer avec elle des séances d'hypnose pour savoir ce qui s'est réellement passé. Et j'en suis là, elle vient d'avoir sa première séance d'hypnose, donc on nous raconte un peu son passé, qui correspond un peu aussi au prologue. Et pour l'instant, c'est pas que c'est pas bien, c'est juste que habituellement, quand j'attaque un livre de l'auteur, en fait, de Donato Carissi, je suis toujours hyper happée, et j'y vais, en fait. Et là, j'avoue, pour l'instant, je suis pas contre d'y retourner, mais je suis pas complètement happée, voilà. Alors, est-ce que c'est moi qui suis difficile en ce moment? Parce que je vous ai déjà dit hier, j'ai que des lectures moyennes. Ou est-ce que je deviens difficile? C'est exactement la même chose. Je ne sais pas. Bref, je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer la box. Enfin, pour vous en parler. Et ensuite, vous la montrer pour ceux qui veulent la voir. De toute façon, elle sera en photo sur la boutique. Hein, donc, la première photo, ce sera une autre image. Si vous faites défiler les photos, vous êtes sûr d'être spoilé. Voilà, je préviens. Mais je vous en parlerai quand même tout à l'heure. Et puis, voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends. Il est plus tard. Je pense qu'il doit être 6h30, 7h. Un truc comme ça. Alors, j'ai pas fini mon livre. Je voulais finir mon roman avant de vous reprendre. Mais j'arrive pas à avancer parce que je suis pas convaincue en fait. Et du coup, je fais autre chose. Ça, c'est signe que je suis pas à fond dans le roman, c'est-à-dire que je suis en train de lire. Je lis un chapitre et puis je prends mon téléphone. Je lis un chapitre et puis je sais pas, je joue avec Meiko. Je lis un chapitre et je fais autre chose. Ça, en général, ça pue du cul. Ça veut dire la meuf, elle n'est pas du tout dans le livre. Et en fait, j'avoue que. J'ai déjà passé presque 2 heures à monter le vlog, voilà. Du coup, je me dis, ce serait bien
que je puisse monter cette dernière partie et comme ça je l'upload. Vu que moi je galère à uploader sur YouTube, c'est mon vrai galère, il faut que je fasse la barre d'infos. Et je fais un copier-coller et j'ajoute des trucs, mais ça n'empêche que voilà, il faut que je fasse la miniature. Enfin, j'ai encore vachement de trucs à faire sur la vidéo. Et j'ai pas envie de me soucier de ça à 21h en fait, ça me saoule. Donc tant pis, vous aurez pas mon avis sur le dernier Donato Carisi dans ce vlog. Vous l'aurez dans le prochain, hein, c'est pas très très grave. Du coup, ce que je disais, là je vais vlogger un petit peu tous les jours, je pense, ou tous les deux jours, je sais pas, mais quand j'ai terminé un bouquin ou quand il se passe quelque chose. Même si franchement il se passe pas grand chose. Du coup vous aurez un petit peu plus de vlogs. Je vais essayer de maintenir au moins un vlog le dimanche. Les autres jours je sais pas trop, mais au moins un vlog le dimanche. De façon à vous présenter ce qu'il y aura sur la boutique hein, en fait à chaque fois. Oui, donc pour les autres, surveillez la boutique. Pensez bien à activer la petite cloche. Ou à faire un tour sur Instagram. Parce qu'en général je partage dès que je mets une vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir d'avoir plus de vidéos. Voilà, même si je pense que le contenu sera pas dingue parce que va pas y avoir 50 000 unboxing, va pas y avoir 50 milliards de choses en fait, hein, clairement. Je vais vous parler de la box d'automne. Alors la box d'automne, c'est censé être une box, sauf qu'en vrai, on va être plus sur... alors c'est une box dans le sens... premier du terme, mais ce ne sera pas envoyé dans une box. Voilà. En fait, je voulais que vous payiez le moins cher possible, et du coup, je me suis dit que si je faisais en carton, il fallait absolument que j'envoie en colissimo. Ce qui est bête, parce que tous les articles qui sont dans cette box sont des articles très plats, clairement, c'est plat, et que ça rentre clairement dans une enveloppe. Donc, c'est débile de vous faire payer 5€ un colissimo, alors que je peux intégrer des frais de port dans l'intégralité de la box et pas vous les faire payer du coup en plus quoi. Donc je me suis dit, on va faire une box dans une enveloppe à bulles, je ferai un effort sur l'emballage, même si vous savez que j'aime pas créer des déchets supplémentaires, mais là c'est une box donc je la mettrai quand même dans du papier de soie. J'ai des jolis stickers d'automne dont j'ai jamais pu me servir, donc je vais pouvoir m'en servir, je suis contente. Et du coup tout sera mis dans une enveloppe à bulles, ça partira du coup en lettres suivies bien sûr. Ça permet aussi à ceux qui vivent en Belgique, en Suisse, au Canada ou partout en fait dans le monde, in the universe, et bien de pouvoir la commander si vous le souhaitez, puisque ce n'est pas colissimo, c'est de la lettre, donc c'est 3€ de plus, enfin voilà, il y a juste 3€ de frais de port pour vous et pas 20€ de frais de port, vous voyez. Donc voilà, ça permet, je trouve que c'est plus simple pour tout le monde. Donc voilà, au début je ne voulais pas vous montrer clairement ce qu'il y avait dans la box, sauf que je me suis rendu compte que j'allais pas pouvoir en proposer beaucoup et que j'avais peur que pas mal de personnes soient déçues de ne pas pouvoir la prendre. Peut-être pas, parce que peut-être que vous allez pas l'aimer, j'en sais rien. Mais c'est vrai que je me suis dit, s'il y en a pas beaucoup, il y a des gens qui vont être peut-être déçus et ça m'embêtait. Vous savez que j'aime bien faire plaisir, donc ça m'embêtait. Du coup, j'ai choisi d'utiliser deux autres tissus. Ce qui fait qu'en fait, là, sur la box, donc il y a une pochette à livres hein, dans la box, petit format, et du coup il y a trois tissus différents, donc va falloir que vous choisissiez sur le site, vous mettez tissu 1, tissu 2 ou tissu 3, voilà, alors il n'y a pas la même quantité pour chaque tissu, et du coup je suis obligée de vous montrer ce qu'il y a dans la box, parce que, eh bien, faut bien que vous puissiez choisir votre tissu déjà, et puis surtout, Chris me dit, oh, mais sinon tu fais en mode tissu surprise, sauf que je peux pas, parce qu'il y a un des tissus que j'ai utilisé l'année dernière, donc je sais que certains ont déjà acheter la pochette, donc j'ai pas envie de prendre le risque qu'il y ait des doublons, c'est naze quoi. Du coup je vais vous montrer ce qu'il y a dans la box, je suis désolée pour ceux qui voulaient avoir totalement la surprise, de toute façon sur le site vous allez le voir au moment où vous allez sélectionner la trousse, enfin la pochette que vous voulez. Je voulais également vous montrer ce qu'il y avait dans la box parce que habituellement, donc dans la box par exemple d'hiver l'année dernière, tout ce qui était dedans était fait à la main, totalement à la main. Là, j'avais envie de faire un truc un peu différent, donc il y a une pochette à livres hein, que j'ai faite complètement, et il y a d'autres choses que j'ai customisées ou dont j'ai acheté le design et où je vous ai fait quelque chose avec. Et du coup, comme c'est un peu différent de ce que je propose habituellement, je préfère vous montrer pour pas qu'il y ait de déçus en fait au moment de la réception. Alors, tout ce que j'ai choisi, c'est des choses que moi personnellement, il y a d'ailleurs un des objets que j'ai envie d'afficher depuis je sais pas combien de temps, mais que je ne fais pas parce que je me dis que ça va vous spoiler de ouf trop tôt. Donc voilà, ce sont que des choses que j'aime forcément, puisque sinon je les aurais pas choisies. Alors,
On va commencer par ce que vous avez déjà vu. Donc, il s'agit de cette trousse. Donc, c'est une trousse en tissu basique avec une fermeture éclair noire. Voilà, c'est une trousse. Faudrait que je mesure d'ailleurs parce que j'ai pas pris les mesures. Et comme vous pouvez le voir, dessus, il y a une citrouille en vinyle. Voilà, donc c'est du vinyle orange. Je suis désolée, il fait pas la mise au point. Vous m'avez vu dans le dernier vlog préparer ces citrouilles. Donc, j'ai acheter les droits d'exploitation du dessin, parce que vous savez que je dessine comme une... J'allais dire comme une bite, mais il faut pas dire ça. Je dessine très très mal. Donc j'ai acheté les droits d'exploitation du dessin. Bon, après j'ai modifié quelques petites choses au moment où j'ai échenillé. Je l'ai découpé avec une machine que je vous ai montrée, hein, vous avez vu tout le process. Ensuite moi j'ai échenillé, donc j'ai enlevé tous les surplus. Dans la vidéo vous avez vu ça en 3 secondes, mais en vrai, en vrai j'ai passé 20 minutes sur chaque citrouille. Voilà. Et ensuite je l'ai thermocollé, et en fait thermocollé ça revient au même que vous savez les t-shirts que vous achetez où vous avez un motif dessus. Donc c'est, voilà, c'est thermocollé. Alors ne jamais repasser, hein. Faut pas passer son fer à repasser dessus parce que sinon ça va rester collé à votre fer, hein. Donc ça on le repasse pas. Maintenant vous pouvez le laver, moi si vous la lavez je vous conseille de la retourner pour protéger un maximum le dessin, puisque on sait bien qu'au bout d'un moment ça s'abîme un peu, quoi. Et voilà, donc vous avez la petite trousse citrouille. Je vous raconte tous les détails, c'est un truc de ouf. Donc la trousse citrouille. Ensuite, je vous ai fait, hop, une carte à afficher où il y a écrit bah, Hello Fall. En fait, j'ai acheté les droits d'exploitation du dessin. Il est sur papier photo, je l'ai plastifié pour que vous puissiez l'afficher. Voilà, et je la trouve vraiment très belle. Ce design est tellement beau. Voilà, j'ai passé des heures et des heures sur le site pour choisir les plus beaux, en fait, design, truc qui me plaisait le plus. Le troisième article, c'est ce marque-page. Donc, c'est une tasse, voilà, c'est une tasse pumpkin qui est plastifiée, hein, toujours. J'en ai un dans mes bouquins depuis pas mal de temps, mais que je pouvais pas vous montrer, forcément. Mais voilà, donc toujours pareil, hein, le design... J'ai acheté les droits d'exploitation et puis bah après derrière et ben j'ai imprimé, j'ai découpé, j'ai plastifié, j'ai redécoupé voilà, toujours sur un papier photo et puis une plastification, et voilà. Donc ça c'est le troisième objet. Donc vous voyez, ça c'est assez entre guillemets particulier parce que ce ne sont pas des choses, je les ai faites, mais c'est pas de la couture, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup le quatrième objet qu'il y aura dans cette box, c'est une pochette à livre petit format. Celle que je vous ai déjà proposée l'année dernière, c'est celle-ci. J'adore ce motif, mais un truc de ouf. C'est pour ça que je l'ai reprise cette année. L'année dernière, tout le monde n'avait pas réussi à la choper. Elle est doublée en noir. C'est une format poche, hein, voilà. Donc vous pourrez choisir soit celle-ci, soit celle-ci, qui est aussi avec des couleurs automnales très très belle. Alors je suis désolée, là c'est la lumière artificielle, mais bon, ça rend plutôt bien quand même. Et celle qui était de base, c'était celle-ci. Les deux autres, je les ai rajoutées à la dernière minute. Alors là par contre, les couleurs rendent pas super bien avec la lumière artificielle. Mais voilà, et à chaque fois, elle est doublée. J'espère sincèrement que tout vous plaît, que les designs que j'ai choisis vous plaisent aussi. J'espère vraiment, voilà. Elles sont sur la boutique aujourd'hui à 10h, si quand vous allez sur la boutique vous ne les trouvez pas, après 10h, c'est qu'il n'y en a plus. Si vous y allez avant, c'est que c'est pas encore en ligne, voilà. Mais parce que vous êtes nombreux à me dire à chaque fois que vous ne voyez rien sur la boutique, je sais, c'est juste que bah, une fois que c'est vendu, c'est vendu, en fait, je peux pas y faire grand chose. Donc voilà, alors effectivement, si vous êtes intéressé, ne traînez peut-être pas trop, hein. N'attendez pas midi, parce qu'à mon avis, il y a des chances qu'il n'y ait plus rien, en fait. Voilà, et pour ceux qui m'ont demandé, la semaine prochaine, je vais mettre deux modèles de grandes pochettes. Il y aura deux modèles de grandes pochettes à livres et il y aura des coussins de lecture, puisque c'est quelque chose qui m'a été demandé. Et également, on va commencer à parler des choses qui peuvent être personnalisées pour Noël, notamment ce type de trousse, parce que comme je peux coller des choses là, thermocoller des choses, ça veut dire aussi que je peux personnaliser les trousses. Ça veut dire que vous pouvez me commander une trousse et me demander une phrase, un nom. Moi j'essaierai de regarder si je trouve des designs sympas à vous proposer, en fait, mais vous allez pouvoir me demander un nom, vous allez pouvoir me demander, je sais pas, oui, une citation. Alors pas de 15 mètres, hein, parce que le... forcément, voilà, mais on pourra faire des choses assez sympas au niveau de la personnalisation. Et du coup, comme je peux thermocoller,
pour Noël, je pourrais également faire des pochettes personnalisées, notamment, vous voyez par exemple une pochette comme ça, je peux très bien écrire le prénom de la personne et la thermocoller dessus en fait, donc et la mettre dessus. Donc vous pourrez offrir ce genre de cadeau si ça peut vous intéresser et si ça peut plaire autour de vous, je sais pas. Il y aura aussi des tote bags personnalisés, enfin il y aura pas mal de produits que je pourrais personnaliser pour les trucs de Noël, je trouve ça vachement cool. Donc voilà, mais ça je vous en parlerai un peu plus la semaine prochaine ou la semaine d'après, parce que bah, le temps que moi je les fasse et que je vous les envoie, clairement il faut que ce soit dans la deuxième quinzaine de novembre. Hein. Donc voilà, je parle beaucoup trop, mais dès que je parle de la boutique, du travail, je suis complètement, voilà. J'arrête pas avec voilà, je suis chiante, hein, je suis désolée. Du coup, je vais retourner à la lecture de mon livre qui ne me passionne pas. Mais il se passe des petits trucs intéressants, donc ce serait cool quand même que j'y arrive. Hein. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse. J'espère que ça vous plaît. Je suis toujours très nerveuse quand je propose des choses pour la première fois. Et voilà, c'est tout. J'arrête de dire voilà. J'espère que ce vlog vous a plu, que vous avez quand même passé un bon moment. Il était peut-être un petit peu plus court, mais j'avoue qu'en ce moment, j'avais pas grand chose à vous montrer et voilà, c'est tout en fait, c'est comme ça. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous le souhaitez, j'essaye de faire quelques lives dans la semaine, alors pas très long parce que sinon je bosse plus, mais voilà, j'essaye de faire quelques lives, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et voilà, je vous remercie de tout cœur d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse le lien en barre d'infos pour aller sur la boutique, je vous laisse également le lien du calendrier de l'Avent Friends que j'ai reçu si vous avez envie de vous faire plaisir avec un petit calendrier Friends, et puis c'est tout, je vous invite à laisser des petits pouces, à laisser plein de commentaires, enfin tout ça comme d'habitude, et je voulais, j'en profite parce que j'ai eu le mail tout à l'heure, je remercie du fond du cœur Magali pour ton don Utip, mais vraiment du fond du cœur, parce que ça fait très longtemps que je n'y suis pas allée, mais je savais même pas que c'était plus activé les mails, donc j'ai vu ça, donc voilà, merci beaucoup à toi. Je suis Flo, il est temps de partir, je vous fais plein de bisous, bye.